Donc voilà le troisième départ de cette session. Session qui s'annonce pour le moment un petit peu difficile. Mais bon, on arrive à tatiller quelques poissons de passage. Je dirais que là, avec la fraîche qui s'installe, je pense qu'on va commencer à maintenir des poissons sur l'amorçage comme celui-ci. Donc du coup, pour ce petit poisson, donc une petite commune que je vais vous présenter juste après, donc je la prends en montage spinner avec donc une petite noix tigrée, pardon, avec un maïs flottant. Et donc ça me permet de décrocher ce petit poisson juste après l'amorçage. Voilà, une petite commune, pas très grosse, hein, mais voilà, ça fait quand même un poisson de plus au tapis. Donc c'est sympa. C'est sympa, on va essayer de maintenir la cadence et puis on va voir comment se passe la nuit. Et surtout, on va essayer de s'y préparer correctement. Après une après-midi de forte chaleur et très calme, le premier poisson se débloque pour moi. Donc Théo, on a déjà fait 3. Moi j'en avais pas encore fait, il n'y a eu aucune touche et ouais, encore, enfin, très calme sur le spot. Et là, comme d'habitude, au même endroit, enfin sur le même spot, dumbbell rose, wafter tuna de chez Mainline rose aussi. Et la situation se débloque. Donc pas un gros poisson, mais ça fait plaisir, c'est le premier. Belles écailles, donc elle ne doit pas être très très vieille celle-là. Mais franchement voilà. Ça fait plaisir, donc on espère en taper des plus grosses dans la soirée et puis dans les jours à venir. Après une nuit très calme, on arrive à se démarquer ce matin, juste après l'amorçage. Donc on retend les cannes tranquillement, on arrive à faire quelques poissons, dont cette belle petite miroir. Vraiment pas un gros poisson, hein, mais par rapport à ce qu'on vient de faire, jusqu'à présent, ça relève au moins le niveau. Donc c'est cool, donc prise en bordure en plus, donc voilà, c'est franchement sympa. On va essayer de continuer sur ce rythme et en espérant taper un peu plus de poissons. Je pense que la nuit prochaine, je vais essayer de revoir un petit peu ma pêche. Là, j'ai décidé de laisser tranquille le poste cette nuit. Et puis bon, sur les échos des autres pêcheurs, ça a bien déroulé cette nuit. Donc je pense que voilà, la nuit prochaine, on va pêcher un peu plus correctement et on verra bien. Yann, j'ai besoin là. Bon, une légère pluie arrive. Et puis sous l'amorçage encore une fois, voilà, ça débloque encore un petit poisson. Là vraiment on tape que du petit, mais bon c'est pas grave. L'important c'est d'en sortir quand même, parce que c'est assez compliqué. Là avec la fraîche et puis la pluie qui arrive, j'espère qu'on va pas se taper des orages. Mais c'est pas grave. On va essayer de continuer et puis c'est parti. Du coup, on est sur une stratégie qui fonctionne. Voilà, un petit doublé, c'est le premier de la session pour le moment. Donc Yann qui valide en premier une toute petite commune. Voilà, bon, on commence à avoir l'habitude des petits poissons. Et moi je valide une belle miroir. Bon, c'est encore pas super gros, mais c'est déjà un peu mieux que ça. Ouais, franchement, puis elle a un bel écaillage. Enfin, je trouve que c'est quand même un beau poisson. On essaiera de faire quelques plans un peu plus près parce que j'aime beaucoup ces écailles. Donc ouais, c'est cool, franchement, elle a un très bel écaillage. Bon, les poissons commencent à s'alimenter sur le poste correctement. Là on enchaîne quand même pas mal les touches contrairement à hier, ça a rien à voir. Donc en espérant continuer sur cette lancée et puis on verra bien. Don't got too much, don't waste it all.
bah voilà, après une petite après-midi creuse, on redémarre tranquillement avec cette miroir qui est encore pleine d'énergie, puisqu'elle a eu le droit à un petit temps de repos. Alors là, ça va être compliqué. Elle a eu le droit à un petit temps de repos parce qu'on a eu quelques aléas. Pendant qu'elle était dans le tapis, je fais un départ. Ah là 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 là. Pouf. Voilà. Pendant qu'elle était dans le tapis, je fais un départ. En voulant la mettre dans le tapis, bon bah, elle m'a glissé des mains et malheureusement, elle est repartie dans l'eau. Et puis bah, la troisième canne est partie à son tour. Celle-ci par contre, j'ai décroché. Donc au final, j'ai qu'un seul poisson à vous présenter. Mais c'est cette superbe miroir. Avec de belles écailles. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a eu 2-3 heures de creux. Là, on retrouve quelques poissons. Yann a eu un départ également. Malheureusement, une décroche aussi. Mais ça veut dire qu'elles sont de nouveau là. On va essayer de les tenir jusqu'à cette nuit. Et on va voir comment ça se passe. Bon, elle m'a vraiment trempé celle-là. Donc, je tenais à faire quelques photos parce que je la trouvais assez jolie. Bon, ça en aura mouillé le t-shirt. Mais c'est pas grave. Allons en mériter la chandelle. Bon voilà les gars, après une après-midi bien difficile où on a essayé beaucoup de choses et tout sur mon spot, ça a été très dur de pêcher. Franchement, le dernier poisson il date de 13 ou 14 heures. Là il doit être pas loin de 20 heures je pense. Et donc une petite miroir, on a changé les zèches, là on est passé du Dumbbell Rose à la noix tigrée avec du faux maïs flottant. Et il a fallu 30 secondes, juste le temps de la poser et de mettre un spot dessus. Et on a une belle miroir qui est encore bien en forme dans l'eau. Voilà les gars, une belle petite miroir. Elle a des très belles écailles. C'est assez rare d'en voir des comme ça ici. Donc franchement, je suis pas un peu fier. C'est la plus grosse que j'ai pris pour l'instant. Et non, franchement, il y a un beau poisson. Donc je suis content, ça a porté ses fruits de changer d'èche et de se mettre à la noix tigrée. Bon, on entame cette deuxième et dernière nuit sur le plan d'eau. Pour l'instant, ça déroule pas mal en ce début de soirée. On va voir comment se passe la nuit. On va essayer de pêcher et d'amorcer la nuit. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc là, bah, Yann vient de sortir une carpe à son tour. Ça part sur le côté, donc les poissons sont encore actifs. Et puis là, moi, j'ai un petit peu de rangement à faire. Après, je vais remettre les trois cannes propres, clippées. Et on va amorcer ça et puis on verra comment se déroule la nuit. Bon bah alors là c'est super, je fais quelques poissons cette nuit. Mais ce matin au réveil, juste après une casse que j'ai fait sur les coups de 3h, 3h30, je décide de réamorcer, de retendre les cannes. Du coup, je pêchais plus qu'à 2 cannes. Et puis donc ce matin, première heure, 6h, même 5h50, 6h, ouais. Départ, je mets un peu de temps à la ramener parce qu'elle m'a mis un gros combat, mais c'est pas un gros poisson. Tout de suite dans la foulée, départ, ça réveille Yann, ouais. Il part plein gaz. Ensuite, bah, je te laisse expliquer, tu relances la canne. Ensuite, ouais, donc départ qui me réveille à fond, je la prends. Tout de suite après avoir mis le poisson dans le bac, je replace la canne un peu au pif. Elle repart direct, j'avais jamais vu ça.
Et du coup, bah voilà, deuxième poisson. Donc ensuite, le temps que on regarde un peu les poissons, qu'on réamorce vite fait, on avait laissé les poissons dans le bac et j'en refais une troisième derrière. Donc là, bah, j'ai trois poissons pour ma part à vous présenter. Donc là, c'est super parce que bah, quatre poissons dès le matin comme ça. Franchement, c'est cool. Les deux premières, c'était le miroir, non? C'était la commune, la première. Ouais, la toute première, c'était la commune. Bon, encore des petits poissons, hein, mais là, c'est cool, ça. Ça a bien déroulé. Bon, la tienne, elle doit faire dans les 2-3 kilos. Ouais, maximum. La mienne, elle doit faire 5 maximum. Donc, moi, c'est le seul poisson que j'aurais à vous présenter, mais ça en fait un de plus, et puis bah, ça démarre bien la journée. Deuxième petite miroir, donc ça, c'est la dernière que j'ai prise, ça. Encore un petit poisson et la miroir du milieu qui est un peu plus jolie cette fois-ci. Là, on a déjà un plus joli poisson qui sont encore plein d'énergie. Ouais. Ils ont eu le temps de bien se reposer du coup. Bah, vu qu'ils sont dans l'eau tout le temps là, c'est ils sont pas fatigués, on va dire. Donc voilà. Donc c'est cool, franchement, 4 poissons dès le matin. Oh, ça remonte un petit peu le score, Yann en avait fait un peu moins. Bah, moi j'ai pu en toucher 2 cette nuit. Des petits poissons encore une fois. Je fais une casse, je pense que c'était sur un esturgeon. Mais franchement là c'est top. Un joli réveil et puis voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de fin à cette vidéo puisqu'en fait je retourne sur ce poste pour un autre 48 heures d'ici fin août. Donc vous aurez un espèce d'épisode 2 ou une partie 2 à cette vidéo d'ici fin août, début septembre. On verra l'issue de cette seconde pêche, en tout cas pour celle-ci on termine sur 29 fiches pour 37 départs. Malheureusement une petite moyenne de 4,450 kg, mais c'était assez plaisant et j'ai hâte d'y retourner pour cette fois sortir de plus gros poissons. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à une prochaine au bord de l'eau.